Et bonjour tout le monde, c'est Tom Tess. On se retrouve pour un nouvel épisode de Pokémon Donjon Mystère. Et je vais continuer l'aventure, forcément. Gros! T'as entendu ça, Arco? J'ai pas rêvé finalement. Qu'est-ce que ça peut être? Tu sais ce qu'on entend? Bon, on va tenir bon. Finissons-en. Oui, on y est presque. Une fois au sommet, peut-être qu'on trouvera enfin Clef. Qui étais-je avant de perdre la mémoire? Ça me rappelle que j'ai toujours pas dit un mot tout ça à Gobo. Hein? Tu t'en rends compte maintenant? Voilà. N'empêche, le pauvre vit dans un volcan, est quasiment dans un volcan. Et là, direct, il a le pied sur le sol. Je me rappelle qu'il y a une petite pente quand même. Il y a un. Et il y a déjà de l'argent. On fonce. Voilà. Évidemment, si je me trompe de chemin. Un luciole dans un volcan. Vous êtes sérieux? C'est pas Pokémon de forêt d'habitude. Voilà, 70 dégâts. Un niveau supplémentaire. C'est toujours agréable. Pokémon a oublié une capacité pour en apprendre une nouvelle. Faut la réapprendre ou je tends des câbles sinon. Poursuite. Ça fait quoi poursuite? Info. Alors, lanceur obtient le statut riposte. Il renvoie à l'ennemi les dégâts qui sont infligés par les attaques physiques, les attaques ordinaires. Punaise, une super bonne attaque, quoi. Donc j'ai oublié ça. Mais je vais oublier Faucheuse. Dommage, Faucheuse, ça aurait pu être génial aussi. Mais bon, on peut pas tout avoir. Hop. On concentre. Hein. Oh purée, j'avais pas vu le Yanma. Vas-y, utilise coup de boue. Utilise reflet. Tu tapes. C'est bien. Hop. Pas par là non plus. Oh non, j'avais pas vu. Notre esquive va baisser, mais je vais manger ceci. Voilà, ça fait mal. Ça me laisse une place de plus dans l'inventaire. Explose. Parfait. Une balle à gauche, tranquille. Vers haut, un crixique. Oui, il faut qu'il y ait un sec dans un volcan, vous êtes sérieux? Oh! Punaise! Punaise! Bon, toi tu meurs. Toi tu meurs direct. Merci. Concentre-toi, ça fait peur. Allez, j'espère. Oui, c'est là. Je vais pouvoir me reposer un petit peu. Non, arrête. Voilà, va ici et on attend un petit peu. On se régénère. Ok, toi, Gobu, objet, déodorant. Et je te lance. Tu la manges, ok? Punaise, là, par contre. Et là, on va au sol. Et on avance. Un, deux, voilà. La grotte. On avance encore plus. Hop, hop. Monte. Tranquille. On prend la gelée grise. On mange la chevelure grise. Arco, voilà. Construction. Voilà, tape. Good boost, parfait. Et par contre, sois un peu plus précis la prochaine fois, good boost, s'il te plaît. On est un petit peu dans le cake actuellement. Y'a pas un truc qui peut casser les pieds à ce Pokémon devant? Bon, Volvi, c'est parti. Oh punaise, sa défense augmente encore. C'est parti.
Oh punaise. En fait, t'es hyper cheaté, Gobi. Ça. Et c'est bon, tranquille. Ok, on va éviter de passer par là. Hop. Doucement. On réveille pas le Pokémon dans le lit. Ok. On prend l'orbe, épouvante orbe, ça pourrait être toujours cool. Là par là. L'escalier est là. Cool. C'est déjà ça. On prend l'argent. On monte. On va par là. Hop. Hop. Rouge et rouge. Objet. Allez, Gobu, tu me manges ça. Parfait. Gobu, tu peux venir. Oh putain, punaise de punaise. Alors, j'ai pas un bâton aussi. Si j'ai un bâton, je projette le bâton. Voilà, je l'attaque et on passe. Des épines de fer. On se retourne pas, on se retourne pas pour le magma, on a pris une mauvaise voie. On passe à droite. On passe en dessous. Non Gobu, espèce d'idiot! Tu vas te faire tuer comme ça. Vas-y, descends. Mais Gobu, t'es idiot des fois. Attends, il a fait tout le coup en fait. Donc je l'ai doré. Donc je prends ça quand même, hein. Toujours bien. Oui, on va rééquilibrer peu de PV qu'on a besoin. On fait au sol et on avance. Voilà, on continue la route. On laisse l'ennemi dormir là-bas. Voilà. Et on trouve l'escalier direct. Prends les escaliers direct. Parfait. Hop, on prend l'argent. Pas le vôtre, évidemment. De toute façon, je suis pas rémunéré. Pas envie. Pistoléo. 31. Ok, je continue d'avancer. Gobu a l'air de bien s'en occuper sans moi. Vas-y Gobu, attaque, c'est bon. J'ai une graine. Je suis sûr que ça peut nous sauver la vie ce machin. Ok. Quoi? J'ai déjà plus de place. Ah bah tu veux dire que t'as pu faire sous tous les deux que t'as perdu? Punaise. Non. Punaise, le lag. Alors, deux coups. On va manger la pomme déjà. Vas-y, go pour manger la pomme. L'animation est plus lente, on n'a jamais vu. Oh putain, je l'avais pas vu. Bon, je vais utiliser ma nouvelle capacité. Poursuite. Ça c'est cool. Du coup, ça veut dire que je peux à la fois me soigner et utiliser une bonne Béoran. Voilà. Et en même temps, je lui ferai super mal. Ce qui va être parfait. Vas-y, tape. Ça, je m'en fiche, hein. De toute façon, ça change à rien. T'es mort, de toute façon. Voilà. Merci. On s'enfuit, Gobu. Je dis qu'on s'enfuit, Gobu. Arrête de faire ça. Et on s'enfuit, j'ai dit. En plus, il y a des grands bouts, quoi. Oh, punaise!
Punaise. Punaise, c'est bien. Alors, j'ai pas une petite bureau, si. Manger, gobou. Ça fait du bien. Alors toi, je t'attaque. Pas question que tu me fasses du mal à mon pote ou à moi. Voilà, on prend la belle graine. La pépi-graine. C'est quoi pépi-graine? Objet. C'est pas une pétri-graine ça? Pépi. Info. Aimant augmentant le montant au sol à l'étage suivant. Ok, ça c'est pas mal. Vas-y. On t'attaque. Vas-y, Gobou. C'est une bonne attaque. Voilà. Parfait. Mais non! Ils sont partout ces gars-là. Punaise. Pas de chance, quoi. Bon, on gagne de l'XP, mais bon. Et hop, un petit ruban pêcheur. Hop. C'est parti. Pour l'instant, on s'enfuit. On s'enfuit, j'ai dit. Voilà, parfait. Papa, mince. Je suis bourré de passage. Punaise. Toi, tu meurs tout de suite. Voilà. Un CD. Harry, voilà. Alors... Ça, je vais manger. Je me souviens, cette attaque est tellement redoutable. Faut que je la prenne à Anorit. Oh oh. La vol vie. Non, punaise, j'aurais dû utiliser une riposte tout de suite. Capacité. Poursuite. Objet. Une cigraine. Enfin, ça fait quoi? Il n'y a pas un tapeau graine ou un truc comme ça? Ça va faire l'affaire. Objet. Faut faire ça au cas où. Qui sait jamais. Oh punaise! Gobou, je te laisse t'en occuper, ok? Mais. Pigraine, ça va être très utile. Oh punaise! Allez, on se repose. Non! Oh punaise! Ça fait super peur en fait. Ce genre de gourou, ça fait super peur. Allez, on se repose encore. Jusqu'au 65. Et voilà. Du coup, au sol. Et on avance. C'est fou le lag quand même. C'est impressionnant. Mais au moins, on a l'air d'avoir bien avancé. What speature? Par contre, ça c'est pas honnête comme lag. Désolé, mais c'est pas humain. D'avoir resté jusqu'ici cet endroit, j'ai un sentiment étrange d'une certaine manière. Une énorme tension dans l'air. J'ai la chair de poule. Un horrible pressentiment. Ce rugissement était très explicite. Mais par contre, pourquoi il y a des flashs électriques à chaque fois? C'est bizarre.
Ça avance. C'est donc ça la station de Breton. Mais il y a personne. T'es sûr d'avoir vu Medaguild et Krapins? Bien sûr, j'en suis sûr. Je l'ai croisé en revenant. Medaguild est passé à côté de moi tout de suite et je l'ai salué. Mais bon. Arco est parti en premier. La terre. Oui, elle tremble. Ah déjà, ça s'est fait faire l'oiseau si on tend ici. On est peut-être 200 mètres plus haut, je sais pas. Allez. On arrive. Punaise, ils sont totalement KO, ces gars. Allez. Je suis tout dégonflé, je peux plus bouger. Comment avez-vous pu se reproduire? Comme gros doudou a-t-il fait pour ignorer notre double attaque de gaz nauséabond? Et comment il a fait pour exploser comme ça? C'est carrément incroyable. Et je fais l'accent au milieu de la phrase, forcément. Mutation de la voix d'un lance-raptille. Ok, gros goût. Joli! Qu'elle existe. Et là, normalement, je peux l'exploser. Bah, cool. Vous avez l'intention de profaner ce lieu. Partez sur le champ. On voulait juste aller au Black Brune. Black Brune, je suis gardien de Lac Drombeau. Mon nom est Groton. Vous avez regretté mon intrusion. Bon, on aurait pu partir sur le champ et partir à vaisseau, il n'y a pas de problème. Voilà, entrez. On peut remonter là. Hop, 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 on se dépêche. Et dis donc, Jaco, tu peux te poser une question pendant qu'on court. Tu as déjà entendu parler d'un Pokémon appelé Groton? Bien entendu, pour qui me prends-tu? Ne suis pas le chef des services de renseignement de la guide? Quack. C'est un Pokémon légendaire. Nous on parle des mythes, transmis de génération en génération. Vous avez jamais appris ça à l'école. Dans les cours d'histoire, Géo. Par contre, c'est bizarre que c'est tout noir et ça lag. Voilà, ce Pokémon est un colosse. Et si jamais on devait combattre Groton, qu'est-ce qui se passerait? Le combattre, hors de question. Faudrait être fou pour qu'elle s'attaque à Groton. Ce sera du suicide, ni plus ni moins. Il est bien trop fort, comme tous les Pokémon légendaires. Oh, bah pourtant, l'équipe a déjà battu, je sais pas, un Elector, un Sulfurant, un Articodin, dans les versions précédentes, sur Game Boy, Pokémon Explorateur Rouge. Équipe de secours rouge, je parle. Là. L'âge battle! Mais les capacités de type feu sont avantagées, celles de type sont faibles. Ah mince! Bon bah attendez, je retourne en arrière. Low state, petit 2. Je vais utiliser une technique très utile. Utiliser poursuite dès maintenant. Et je vais spammer le vol vie. Ok, c'était pas une attaque physique. Du coup, ce qu'on va faire, c'est une roupie graine, je vais la lancer. Bon, mais non, il a même pas mangé, quoi. Mais par contre, arrête de faire ça, ça serait pas. C'est pas génial, tout ça. Mon objet. J'ai pas un truc qui puisse. Pétrifiant. Pas mal, on peut pas utiliser ça pendant les donjons. Pendant les boss en tout cas. Mais tant pis. Volvi. Voilà. Mince, j'ai trop reculé. Je suis noué. Ah mince, je vais pas donner Béoran. Objet. Punaise. La peur. C'était la peur de ma vie là.
Reste un, 2 PV à mon gobo. Vas-y gobo, mange, c'est pour ton bien. Ça fait tellement peur. Voilà, je vais utiliser poursuite. On va d'attaquer Gobu. Tout de suite. C'est pas honnête. Après, je vais utiliser Volvi, tiens. Pan, dans les dents. T'as rien à dire là-dessus. Je récupère plus de PV que tu en causes. Volvi, vite! En tout cas, c'est bien sa précision de bassin. Objet. On va faire la Béorang sur Gobu encore. Capacité. Volvi. Et c'est parti! Capacité, Volvi, c'est ce qui est le plus efficace contre moi. Vas-y, tape. Bon, ça me permet d'utiliser un autre poursuite. De faire encore une fois Volvi. C'est vraiment efficace. Et ce Pokémon, une défense de malade aussi. Faut pas se le cacher. Pas un truc qui permet de... des racaillas. Ouch! Bon. Je vais réutiliser Volvi. Et j'ai battu Groudon! J'ai battu Groudon! Punaise, oui! Groudon a été battu! Et là il s'écroule. Mais qu'est-ce qui est vraiment? Il a explosé! Ah non! Ouais, il a vraiment explosé. C'était pas Goudron. C'était une liaison où j'ai fait apparaître. Il a quand même mis une belle raclée sur Goudron. C'est tout bien. Je veux juste des informations, c'est tout. Des informations, c'est tout. Oui, c'est tout sans mentir. D'accord, d'accord, la vérité. C'est qu'on est expliqué à ce point d'exploration. On aimerait bien repartir avec un créateur, après tous les efforts qu'on a fait pour arriver jusqu'ici. Mais si ça vous pose un problème, on repartira dans le vide. On a déjà la satisfaction d'avoir atteint cet endroit. Allez, vous devez nous croire. Soit, je vous crois. Permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Kref, le gardien de la couronne. Pas possible, Kref, tu dis. Absolument. Protège cet endroit très précieux qui repose au fond de la colonne. Allez, si vous voulez bien me suivre. Allez, on suit, oui. Je vous traite un cher, oups. Et je veux bien sûr sauvegarder cette aventure. Et je sauvegarde. Et j'ai arrêté l'épisode après cette belle cinématique. N'est-ce pas? Magnifique. Ceci n'était absolument pas une imitation de quelqu'un comme vous sûrement connaissez sur YouTube qui a beaucoup plus d'abonnés que moi. Non, pas du tout. Allez. Il fait si sombre. Vous aurez peut-être du mal à le voir la nuit, mais... Contemplez la côte brune. Waouh! La musique est belle au ralenti aussi.
J'en crois pas mes yeux. Qui aurait pu penser qu'un si grand lac puisse retrouver une telle altitude? Et regardez tous ces muscles humivoques un peu partout dans le ciel. Maintenant, je vois. Lumière qui provoque au fond du lac. C'est une lumière bleu-vert, c'est... Approchez-vous pour voir le plus près. Ah, ça va, j'ai le temps. Pourquoi? Un effet. Pour me pousser de fer tout à coup. C'est fantastique, mais qu'est-ce que c'est? Dans un mystérieux s'en dégage. Ceci est un roi du temps. Ah, vraiment? Un roi du temps? Oui. Ma plupart des missions consiste à me protéger. C'est la seule et unique raison de ma présence ici. Je me suis servi de l'illusion de Rodon pour le chasser. Rodon? Comment fais-tu ça? Je me sers de mes facultés psychiques, comme ça. Waouh! Mais crainte, comme je vous dis, ça, c'est juste une simple illusion, rien de plus. C'est pour ça qu'elle vous a frappé et qu'elle a failli vous tuer. Et son. C'était des intrus, alors j'ai effacé leur tout souvenir, de manière à protéger le lac. Effacer un souvenir? Ah, c'est pour on a quelque chose à demander, Crève. Voici un copain Arco. Aujourd'hui, Pokémon, autrefois, être humain. Ah, vraiment? Un être humain? Oui, Arco n'a aucun souvenir. Je te demande si tu avais déjà vu ce Arco dans le coin, par exemple, Crève. Tu n'aurais pas effacé sa mémoire, par hasard? Ça s'est déjà produit? Tu as déjà vu un être humain ici? Ça te dit quelque chose, Crève? Mais bon, c'est. Non. Jamais aucun être humain n'est arrivé jusqu'ici. Je vous la question. Je n'efface que les souvenirs du lac aux brumes. On ne peut pas effacer entièrement, complètement la mémoire d'un être vivant. Je n'ai rien à voir avec l'amnésie d'un acolyte. Ni avec sa transformation Pokémon d'ailleurs. Je ne connais pas la cause. Ah bon, d'accord. Donc, c'est la première fois que tu mets les pieds ici, Arco. Crève, on voulait te voir. Pour en savoir plus sur mon acolyte. Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Rajoutant. Oh, quel dommage. On ne peut pas faire main basse sur un roi du temps. Gros doudou. Waouh, fantastique. Mais qu'est-ce que... Le maître de nos guides. Heureux de te connaître, mon ami. Ami. Heureux de te connaître aussi, ami incroyable. Ami de moi. Regardez-moi cette vue magnifique. Je suis enchanté d'être venu ici. Là, là, là. Attends, se reposer, dépêchons. Et dis donc, il y a quelqu'un là-bas. Allons-y. Quack. Grrr. C'est le bouton, cache le morceau à la fin. Ding ding. Ne me mange pas, j'ai mauvais goût. Ami du jour, bonjour. Alors, quel est le problème, maître? Ne vous avez pas pensé à regarder là, les autres. L'eau jaillit comme une fontaine. Comme c'est joli. Hein? C'est beau. C'est vraiment magnifique. Mais c'est pas qu'à vitesse normale, je crois. Ah, c'est lui, ça. Ouais, c'est vachement beau pour sûr. Oui, le geyser du lac jaillit de temps en être. Et on voit des colonnes d'eau en l'air, comme une fontaine. La lumière vient du rajout du temps au fond du lac. Pendant que les humivoles et les lucioles volent à terre au-dessus du geyser en lumière. Tout ça réuni, c'est la beauté à l'état pur. Oh, le trésor, c'est l'acte de spectacle du lac aux brumes. T'as déjà vu ce spectacle, Arco? C'est carrément magique. Dommage qu'on ait rien appris de plus sur ton passé, mais je suis content d'être là quand même. C'est super de partager ce moment magique avec tout le monde. Je suis comblé. Moi aussi, je suis heureux d'être venu. Bon, on n'en sait pas plus sur mon véritable identité. Une minute, quelle femme m'a dit. Elle a dit qu'il ne m'avait jamais vu. Si c'était le cas, comment se fait-il que cette roi ne soit familière? Moi, je suis temps.
Quand je le vois, mon cœur se met à battre à cheval. Et ce malaise que je ressens, qu'est-ce qu'il signifie? Bon, en fait, c'est la rentrée, c'est tout. La rentrée des classes, ça fait toujours ça tout le monde. Le stress. Nous sommes désolés de t'avoir dérangé. On a passé un moment féerique, ami de nous. Je ne vous priverai pas de vous souvenir de cet endroit. Vous avez gagné la confiance. Je vais demander qu'à les secrets, monsieur Littier. Bien sûr, on sait tous ce qu'on a à faire. Tu sais, un autre voyage du temps a été dérobé. Celui-ci doit rester en sûreté. Nous sommes mûrs comme des carpes. Je jure sur l'honneur de la guilde de Gros Doudou. Tâchez de tenir la parole. Entendu. Allez en route. Comme tu veux. Allez en route, nous rentrons à la guilde. Hurrah! Et c'est ainsi que la longue et périlleuse expédition prit la fin. Gros Doudou et les autres ont gagné la guilde à son encombre. Pour un coup, et leurs apprentis, le retour de la guilde impliquait à la reprise d'entraînement quotidien. Ainsi la vie reprit son cours. Et c'est sur ces belles paroles que nous pouvons terminer l'épisode. Le passage, on a découvert beaucoup de zones, c'est génial! Merci, Sip. Ce sacré à 13 ans, elle a grandi, trop bien! Plus d'objets qu'auparavant, tiens, il y a un autre message. Tout doux, le su redoué est maintenant disponible. Bon, je sais pas si je crois ça chez vous. Mais bon, nous sauvegardons et éteignons l'épisode. Allez, à bientôt tout le monde!